Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter le contenu de My Little Box du mois de janvier. C'était absolument pas prévu que je me suis dit, il faut que je leur montre. Franchement, il est canon ce contenu. Il y a des choses trop mignonnes. Tout simplement, il se présentait ce mois-ci sous forme d'un gros pochon réutilisable. Ça, je trouve ça très sympa. Ça change vraiment de la box traditionnelle. Le thème de ce mois-ci, c'est Fresh Start. Donc, allons-y. Là, je vais piocher hein, complètement au hasard. Alors, première chose qu'on trouve, c'est un foulard. Mais vous savez, c'est le fameux foulard boule en fait. On vient faire plusieurs tours. Donc, il est dans les tons, on va dire, bleu marine. C'est le Snood qui est au prix de 15 euros. On vient enrouler à sa convenance. On fait 1, 2, voire 3 tours. Voilà, je commence à plus respirer. Enfin, en gros, vous voyez, très sympa les coloris. Personnellement, ils me plaisent beaucoup. Ensuite, on trouve juste top, c'est un planeur en fait. C'est un agenda où on vient en fait organiser toute sa vie, que ce soit les idées, les choses à faire, les rendez-vous. Enfin, franchement, il est super mini, il est au prix de 14 euros, timeless planner, et le graphisme est plutôt très joli. Ensuite, on trouve un très grand format de la marque My Little Beauty. Boost Yourself, c'est un baume corps revitalisant génial. On a toujours besoin d'un baume pour le corps, surtout en ce moment avec le froid qui fait. Le packaging est comme d'habitude dans les tons aquarelles, très joli. Il n'y a pas forcément d'odeur, ou en tout cas c'est très délicat. C'est au prix de 11 euros. Très contente de ce produit. C'est pas fini. Hein. Ensuite, je trouve donc un petit échantillon du shampoing sec Baptiste. Celui-ci, c'est Chéri Fruité et Provoquant. Voilà, donc ça vient vraiment volumiser, je vous le dis. Il y en a déjà plus, donc c'est vraiment les petits formats. Mais je vais le racheter parce que vraiment, moi, mon gros souci avec mes cheveux, c'est ce manque de volume au niveau du haut de la tête. Et avec ça, ça les gaine, ça les structure. J'aime beaucoup. Alors, il ne faut pas avoir la main lourde non plus parce que ça peut faire un effet carton assez rapidement. Donc, très contente. Par contre, je n'ai pas le prix. On trouve de la marque Merci Andy, donc maintenant pas mal de personnes connaissent cette marque. Ce sont leurs dentifrices, very cool, très content. Dans ce tube, un peu d'amour à se mettre sous les dents, 3 fois par jour, comme maman t'a appris. Donc hâte de tester. Ensuite, je trouve un petit format, mais d'une marque, pareil, assez connue, Benefit, c'est le The Pore Professional. Donc en fait, ça vient lisser et gommer les pores apparents de votre visage. C'est un petit peu sous forme de base, on vient le mettre juste avant l'application de son fond de teint et de sa poudre. C'est un petit format, ce qui n'est pas gênant, c'est qu'il faut en mettre très peu pour que le produit agisse, de pouvoir l'utiliser quand même pas mal. Le baume des pros pour réduire l'apparence des pores. Donc très contente. Et ben voilà, c'est tout pour cette box, voyez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis ravie chaque mois. De toute façon, My Little Box, c'est des petites merveilles. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, je suis depuis très peu de temps sur Snapchat. Le voici et sur mes autres réseaux sociaux, bien sûr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou comme d'habitude. Et à vous dire à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!